Bonjour à tous, c'est Elerina Medium. Donc aujourd'hui, pas de tirage de cartes. Je vais simplement vous donner rendez-vous pour ce soir 12 octobre 2024 à 20h pour faire un live. Donc ce sera mon premier. Et il y a pas mal de temps depuis le premier confinement. J'avais créé ma première chaîne et puis, bon, j'ai eu des avertissements parce que je disais trop les mots qu'il ne fallait pas dire. Donc, bon, au bout du deuxième avertissement, ben, j'ai préféré créer une deuxième chaîne avec les mêmes informations. Et c'est sur cette chaîne que je diffuse des vidéos. Donc, je vais essayer de faire un live. Préparez vos questions, soyez au rendez-vous. C'est pour cela que je vous avertis avec cette vidéo d'être au rendez-vous de mon live ce soir, samedi 12 octobre 2024 à 20h. Préparez, je serai peut-être là à 20h, 19h50, mettons 19h50. Voilà, ou 45 peut-être, le temps que vous arriviez. On verra, on verra. Je verrai, mais plutôt 19h50, je serai en place. Et soyez présents, s'il vous plaît. Faites-moi honneur. C'est mon premier live. Préparez vos questions parce que je répondrai à des questions. Questions générales, hein, pas personnelles. Et je vous ferai peut-être une petite surprise. Voilà, soyez bien au rendez-vous. Je vais essayer de m'y mettre. Après tout, pourquoi pas. Mais il est vrai que je dois me servir de la caméra de mon smartphone et de l'ordinateur pour avoir le retour. Le retour, voir défiler les questions. Voilà, après, si ça marche, j'aurai besoin d'un ou d'une modératrice. Un modérateur ou une modératrice. Maintenant, c'est moi qui choisirai. Vous ferez votre candidature et c'est moi qui choisis dans un premier temps un modérateur ou modératrice, hein, c'est peu importe. Hein. Voilà, donc ben, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. On est samedi. Ici, dans le midi, il y a du soleil, mais très pâle. Bon, essayez de profiter des derniers jours de beau temps quand même que nous avons. Quoique, il y en a certains d'entre vous qui sont sous la pluie, les intempéries, les dégâts des eaux, etc. Mais c'est voulu tout ça. Hein, il faut bien comprendre que c'est fait exprès. Allez voir H, point plus loin, A, point plus loin, A, point... P en Alaska. Excusez-moi. Ce sont des antennes où ils font la pluie et le beau temps. Donc, ils créent des tsunamis, ils créent des ouragans, ils créent des catastrophes, même je vais dire surnaturelles, parce que auparavant, peut-être ça existait, mais moins fort. Là, c'est de plus en plus fort. Parce que quand on voit à la Floride comment ça se passe, la Floride, c'est le pays de Duck Duck. Eh oui. Et bon, moi, d'après moi, comme j'ai prédit qu'il y aurait une troisième mondiale, et que Duck Duck, s'il passe, il va faire tout arrêter, il n'y aura pas de troisième mondiale. Bon, je le souhaiterais, mais malheureusement, elle y sera. La troisième mondiale, elle y sera. Donc, c'est le parti démocrate qui passerait. Mais je n'ai pas encore fait de tirage là-dessus. J'attends un petit peu encore. Je vais voir comment cela se passe aux États-Unis. Et puis après, je ferai mon tirage de cartes. Et cela donnera une tendance... Mais bon, je pense que quand même,
On va lui mettre des bâtons dans les roues à Monsieur Trump. On va tout faire pour soit faire une troisième tentative d'assas et puis le reste, c'est possible. Donc il sera très affaibli. On le remplacera par quelqu'un d'autre. C'est ce que je perçois. Hein. Ça, c'est sans carte, sans rien. Hein. Voilà, j'ai pas de carte. Regardez, il n'y a que mes mains. Ah oui, quand je me suis réveillée ce matin, il y a eu un mot qui m'est venu à l'esprit. Colis piégé. Mon Dieu, j'espère que ce n'est pas en France. Attention, si vous voyez un bagage abandonné, éloignez-vous et alertez les forces de l'ordre. Attention, attention à vous. Je vous ai conseillé d'acheter un gilet. Ça se trouve facilement dans une grande enseigne mondialement connue, enseigne de sport. N'allez pas n'importe où parce qu'il n'y en a que là, dans ce magasin-là. Je ne peux pas dire ici quel est le magasin. Si vous voulez le savoir, vous me contactez en privé et je vous le dirai. Bien sûr, parce que je n'ai pas le droit de faire de publicité. Hein, voilà. Donc, je devais y aller aujourd'hui. Peut-être je vais y aller cet après-midi. Acheter ce gilet par balle en même temps contre les chocs des couteaux. Voilà. Parce que ça vous préservera votre cœur, vos poumons, votre poitrine. Et puis, vous aurez la vie sauve, quoi. Voilà, donc, faites-le le plus tôt possible. Voilà, et donc, je vous donne rendez-vous ce soir, 19h50, pour un live. Soyez indulgents envers moi, c'est mon premier live. Hein? Préparez des questions, et j'y répondrai. Et puis, je vous souhaite nombreux. Hein, à regarder ma chaîne pour mon premier live. Mais vous vous rendez compte, je sais pas faire de live. Oh, je suis pas calée en informatique, hein. Vraiment, vraiment. Bon, ne m'en tenez pas rigueur. S'il est raté, ce live, j'en referai un autre et petit à petit, je m'habituerai. Voilà. Et puis bon, j'ai contacté certains de mes confrères, consoeurs, non, parce que on me déteste, je le sais. Les consoeurs me détestent. Bon, je comprends pas pourquoi, parce que franchement, c'est la jalousie, tout simplement. Mais les hommes médiums, ils ne m'ont pas beaucoup aidé, hein, franchement, non. Franchement, je le dis honnêtement, hein, bon, ça veut dire débrouille-toi, et puis voilà quoi. En fait, c'est aussi de la jalousie, quelque part, hein? Bon, je vous dis à ce soir, 19h50, pour un live. Voilà, un direct. Hein? Voilà. Donc, passez une bonne après-midi. Au revoir.